Salut tout le monde, on est jeudi 22 juillet, je sais plus trop quelle jour on est. On est jeudi, on vient de rentrer dans la forêt de Chinon avec Kaline. Enfin un peu d'ombre, il fait chaud. Ça fait une petite heure qu'on est parti et on a fait déjà 5 km. Donc on marche bien. Je cherche là un bon montoir pour me mettre à cheval. Et essayer d'avancer un peu comme ça. Mais voilà, avec la bagagerie qu'elle a et que le fait qu'elle soit pas trop habituée, je préfère trouver le montoir qui va bien. Voilà, voilà. Vous avouez qu'on galère un peu là. Les chemins que j'imaginais prendre sur la fin avant d'arriver à la pause déjeuner, là ça passe pas du tout, on galère. Il commence à faire vraiment très très chaud là depuis un moment. Kaline se fait dévorer par les temps, les mouches plates, elle est très embêtée. Donc on a trouvé de l'eau pour toutes les deux. Et puis on avance doucement. Doucement mais sûrement, voilà. Et puis on va voir comment on progresse aujourd'hui. Mais tout va bien. Bon bah c'est aussi ça la randonnée. Hein. On galère. Là on galère et voilà, faut que les émotions sortent, mais ça va. On a traversé une zone hyper difficile en fait dans la forêt, rien passé. Là je viens de croiser un garde forestier adorable qui m'a filé une autre carte parce que les cartes IGN sont mal foutues et il me dit qu'effectivement tout ce que je voulais prendre ça passe pas parce qu'en fait c'est un ancien camp militaire américain, donc compliqué. En plus bah, il faisait très très chaud, on était en plein cagnard, Kaline se faisait défoncer par les temps et les mouches plates. Donc ouais, un peu compliqué pour nous deux. Donc là on fait une pause. On n'ira pas jusqu'à Saint-Benoît-la-Forêt où on avait prévu de déjeuner. Là c'est pas grave, je vais essayer de récupérer quand même des chemins pour arriver directement à mon étape du soir. Je préfère faire comme ça. Je viens de lui donner un petit peu à boire là avec ma gourde. Mais du coup bah, par contre ça c'est le genre de choses qui nous lie. Elle est adorable, elle se pose aussi, elle bouge pas, je l'ai pas vraiment attachée, j'ai juste posé les rênes sur la barrière forestière et ben, je lui donne à boire à la main et puis ben, comme elle a très soif elle boit donc on partage. Pour vous donner une idée, on a fait 13,5 km là, il nous reste un peu de distance à faire encore. On va prendre notre temps, là on laisse aussi la chaleur passer. Et puis ça va le faire. Voilà. Donc un petit peu difficile là, cette portion de la forêt de Chinon. Et ça forge, hein, c'est pas grave. On s'en sort quand même. Le métier en honte, on vient de traverser aussi une route hyper dangereuse et avec des camions et tout, enfin bref. Mais Kaline est top, franchement, elle c'est une grande fille. Voilà. Bah, chouchoupette, je te laisse pas là. Repasse derrière. Et je sais pas si vous allez voir devant nous, mais tout au loin, il y a un petit chevreuil. Qui est trop mignon.
Donc je sais pas s'il est tout seul ou s'il y en a d'autres avec lui. Pour l'instant, j'en vois qu'un. Mais ça, c'est le genre de choses qui fait du bien. Voilà. Bon ben ça y est, visiblement les galères sont derrière nous, youpi. On retrouve là de très beaux chemins de forêt. Alors c'est des grandes et larges allées. Le garde forestier que j'ai croisé là m'a expliqué que c'était des pare-feux naturels. Mais en tout cas ça passe bien, ça roule, tout va bien. Et donc maintenant nous avons quitté la forêt domaniale de Chinon et nous sommes dans le bois de Cravant-les-Coteaux. Voilà. Mais on avance doucement, encore une petite dizaine de kilomètres pour nous aujourd'hui. Et puis on sera arrivé à notre étape du soir. Mais franchement, tout va très bien. Il commence à faire un peu moins chaud là et on profite, c'est beau. Allez, à plus! Nous quittons la forêt de Cravant, tout doucement. On se dirige donc maintenant vers le bourg de Cravant-les-Coteaux. Et donc justement, les coteaux, donc avec normalement quelques vignes qui devraient se trouver sur notre chemin. Donc voilà, il fait toujours chaud en fait. On a vraiment chaud là. Donc on progresse à notre rythme, mais on progresse pas mal quand même. On se fait quand même pas mal attaquer par les temps, des très très gros temps et puis des mouches plates. Donc c'est pas hyper agréable. Mais ça va, Kaline est bien. Elle est un petit peu fatiguée, mais c'est normal, elle a pas l'habitude de tout ça. Et en tout cas, elle est mignonne, elle suit bien, elle s'arrête pas. Donc voilà, on poursuit notre route. À tout à l'heure. Voilà nos premières vignes, youhou! C'est fou, c'est chouette, tant de paysages, une telle diversité de paysages. C'est pour ça qu'on randonne, hein. Trop agréable. Voilà, on a décidément quitter la forêt là et puis on rejoint tout doucement notre étape du soir. On a passé le bourg de Cravant-les-Coteaux et donc maintenant nous sillonnons à travers les coteaux justement. Donc on a des vignes partout autour de nous, c'est super joli. Vous pouvez voir juste derrière moi. Voilà, donc c'est top, on s'en met plein les yeux. Allez, à plus. En doute. Mais vous l'avez fait, vous êtes arrivé au bout. Hein? Vous êtes arrivé au bout, bravo. Ouais. Il a chaud. Ben, j'ai préparé un seau d'eau et de l'eau dans le frigo. Enfin posé à notre étape du soir. Fanny est là. On a une belle maison rien que pour nous, c'est le grand luxe. On a même une piscine qui nous attend ce soir. Kaline est installée dans son paddock, elle va bien. Et moi, je suis fatiguée, oui, ça va.
aussi. Et on a chaud, comme vous pouvez le voir à ma couleur de peau. Et j'ai mis de la crème solaire, hein, donc me grondez pas. Mais entre la crème solaire et l'anti-moustique, du coup, qui a un peu d'huile dedans, donc c'est photosensible. Donc ça n'aide pas. Mais croyez-moi, on se fait dévorer par l'étang, par les mouches plates, bref, et les moustiques aussi. Hein. Donc voilà. Bon. Une grosse journée de randonnée avec quasiment 30 km au compteur. Quels ont été les temps forts? Ah ça a démarré dès le début par la traversée d'Azel Rideau où il y avait une rue en travaux, donc Aline a découvert son premier marteau piqueur. Mais les gars du chantier étaient très 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 gentils. Ils m'ont dit oui, venez passer. Et donc ils ont tout arrêté, ils ont mis tous les engins de côté et tout, et on a pu passer tranquillement, donc c'était bien. Et après, j'ai suivi le GR un petit peu, ça allait bien. Et en fait, mon idée était de couper par la forêt de Chinon pour rejoindre Saint-Benoît-la-Forêt pour le déjeuner. Je ne voulais pas continuer tout le GR parce que ça aurait fait trop long sinon. Et du coup, en faisant ça, je me suis aperçue que rien ne passait en fait, parce qu'on est passé juste à côté d'un ancien centre militaire américain de l'OTAN. Et tous les chemins sont bouchés, il n'y a plus rien, donc j'ai vraiment galéré, il faisait très chaud. J'en avais marre, Kaïn en avait marre. voilà, c'était vraiment difficile, on avançait péniblement, on a fait des kilomètres pour rien entre guillemets, parce que du coup on aurait pu couper avant. Donc ouais, on a bien galéré, on a traversé des routes dangereuses, voilà. Donc, bon, en tout cas, je peux vous dire que la route, c'est bon, Kaïn est habituée maintenant. mais on a eu la chance de tomber sur un garde forestier extraordinaire qui, plutôt que de nous engueuler, nous a gentiment ouvert le chemin et montré sur la carte par où récupérer notre trajet. Donc voilà, un peu d'émotion avant la pause déjeuner. J'ai quand même pris le temps de faire une bonne pause déjeuner et puis de donner à boire à mon petit cheval qui a très très soif. et puis on a repris notre route l'après-midi où ça a beaucoup plus roulé. Voilà, donc c'était le résumé de la journée, assez difficile quand même. Hein, ouais, un peu dur. Ouais. Une bonne nuit de repos. Ouais, et puis bah du coup j'ai beaucoup marché, forcément j'ai mal aux pieds, j'ai des ampoules, j'ai ceci, j'ai cela, donc c'est pas toujours évident. On se fait défoncer par les moustiques, des temps énormes, des mouches plates, enfin bref, et il faut déjà que je gère ceux de Kaïn, mais il faut que je gère ceux que j'ai aussi moi. Et puis bah voilà, j'ai voulu monter un petit peu sur Kaïn là pour soulager mes pieds, mais j'ai essayé deux fois mais les montoirs n'étaient pas terribles et du coup Kaïn bougeait, en plus elle fait des bourres en avant parce qu'il y a dès qu'on s'arrête en fait les temps nous sautent dessus et du coup c'est vraiment bazar là. Donc on progresse à pied. Ok, bon bah on espère que les prochaines journées seront meilleures. Moi aussi. Un peu moins de chaleur, ça serait bien. Ouais, bah normalement je crois que ça va être le cas, pas forcément dès demain mais ça va venir. Ouais, un peu de pluie. Finalement, tu seras contente d'avoir de la pluie. Alors, on enchaîne avec quelques questions plus techniques. Tiens-tu compte de la météo pour organiser ton parcours? Non. Non au départ, parce que j'ai quasiment réservé toutes mes étapes là. Maintenant, j'aviserai en temps voulu, en cas de galère, en cas de besoin, nécessité, si jamais on peut pas mettre la tente au sec par exemple ou quoi. Voilà, on verra bien, mais il y a toujours moyen de se sauver. Donc au départ non, mais on s'adapte quoi. Voilà, exactement, c'est ça la rando, on s'adapte. Ok, question suivante. Comment prévois-tu de subvenir à tes besoins en énergie électrique, notamment pour recharger ton téléphone? Ah bah oui, mon téléphone. j'utilise beaucoup un tout petit panneau solaire qui me dépanne bien. En plus là c'est hyper pratique parce qu'au final Fanny le prend dans la voiture
et je peux avoir accès le midi et le soir à une énergie solaire, donc c'est top. J'ai aussi deux batteries compactes qui se rechargent par USB et qui permettent de faire aussi pas mal de choses, mine de rien. Quand même, on n'est pas très malheureux sur cette édition, puisque là, quasiment tous les deux jours, tous les deux, trois jours, on va être dans des hébergements de luxe, comme aujourd'hui, on est dans une grande maison pour nous toutes seules, donc on a des prises et l'électricité, et voilà, et dans deux jours, on sera dans un hôtel grandiose, donc aussi, pareil, voilà, on aura tout ce qu'il faut. Là, je ne suis pas du tout inquiète pour ça. Donc un peu d'énergie nomade pour la journée et certains soirs, et puis sinon, l'énergie habituelle quand... C'est ça. Tu récupères la civilisation. C'est ça. Alors, dernière question du jour. Quels sont tes 5 indispensables ? Ma gourde. Pour moi ou pour Kaline ? Enfin, pour les pour deux. Pour toi. Pour moi. Ma gourde, mon téléphone, une carte, IGL. De la motivation. non, je sais pas, les deux derniers, ouais. Moi je pourrais pas me passer quoi. Tu penses avoir cheval. Franchement, c'est. Bah si, c'est important. ça sera pas la même chose sans le cheval. Ça voilà, ce sera pas la même chose. Et puis, là, l'anti-moustique, voilà. Bon, c'est pas mal tout ça. Ouais. Bon, alors, bonne soirée, bonne révision des cartes. Ouais, on a ce qu'il faut pour tenir toute la soirée. pour travailler. Travailler, là, on est bien accueillis ici. Bon, allez, à demain.